Hello mes beautés, hello YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, je partage avec toi une astuce super efficace pour rétrécir. Et je sais que je t'assure, ça marche en une seule prise. Ok, tu vas le faire une fois et tu n'auras plus besoin de le faire. Ça va tellement te rétrécir, Jessica, que tu vas même pleurer au lit, ok? N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo à la fin, de commenter, de liker. Et voilà, si tu ne me suis pas sur Instagram, vas-y, c'est là où tout se passe. Je partage au quotidien des astuces beauté, des skincare routines assez simples. Donc voilà, et c'est tout à fait bénéfique pour toi, quoi. Donc voilà, beauté, pour cette astuce, vous aurez besoin d'un seul ingrédient avant de rentrer dans la préparation et tout. On va un peu parler des causes. Oui, je sais, il y a pas mal qui s'entapent des causes. Donne-nous l'astuce, balance l'astuce, on part. Ok? Souffre un peu d'écouter ça. Donc, ça peut être causé par l'accouchement. Voilà, il y a certaines femmes vraiment après l'accouchement, c'est tellement large là-bas. Il y a d'autres que, voilà, ça n'a aucun effet. L'accouchement n'a aucun effet sur eux. Mais il y a d'autres, voilà quoi. Donc, c'est les choses de la vie. Également, qu'est-ce qui cause cela? Il y a les aventures. Voilà. Quand tu t'en vas avec plusieurs partenaires qui ont différents calibres, les gros, les longs, les courts, les ici. Bon, bref. Également, ça peut être naturel à un moment donné de la vie. Vous savez, au fur et à mesure qu'on grandit, on prend de l'âge. Voilà. Les cellules se fatiguent, les cellules vieillissent, les hormones changent et tout. Donc, ça peut arriver, ok? Mais avec cette astuce, ça sera derrière toi. Comme je l'ai dit, une seule prise pour celles qui ont vraiment des organismes qui réagissent rapidement, ok? Donc, pour la recette, c'est très simple, mes beautés. Vous aurez besoin d'un seul ingrédient vraiment facile à trouver en Afrique. À l'extérieur, je ne sais pas trop comment vous faites, mais c'est tellement facile à trouver en Afrique. Il s'agit de quoi? Il s'agit de des feuilles de goyavier, ok? Vous allez prendre une bonne quantité de feuilles de goyavier. Vous allez bien laver. Laver cela même avec 3-4 tours d'eau vraiment pour enlever toutes les saletés, ok? Ensuite, donc, vous portez à ébullition pendant 5 minutes. Vous laissez vraiment bien bouillir pendant 5 minutes pour pouvoir tuer toutes ces bactéries, tous ces microbes. Pourquoi? Parce qu'il ne faut vraiment pas apporter de problème à Jessica, ok? Donc, après avoir porté à ébullition pendant 5 minutes, vous déposez, vous laissez refroidir même une minute. Voilà, vous transvasez cela dans une bassine et vous faites donc un bain de siège, ok? Bain de siège, j'espère que ça se dit. Ouais, bain de siège. Donc, on va laisser un peu le gros français, le français là qui nous casse un peu la tête là. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu prends ta bassine, ok? Tu mets tout ce que tu as bouilli là à l'intérieur et tu t'assois dessus, ok? Tu t'assois dessus pendant 3, 4, voire 5 minutes. Ben, entre-temps, tu peux Facebooker, WhatsApper, Instagrammer, YouTuber. Bon, bref. Après les 5 minutes, donc, tu fais ta toilette avec cette eau. Donc, tu fais ta toilette avec cette eau et je t'assure, le résultat ne va que parler au lit, ok? Tu seras tellement, ça va redevenir, je sais même pas, je n'arrive même pas à bien calibrer cela. Donc, tu vas tellement redevenir vieille, donc ça sera tellement rétréci et je t'assure, peut-être tu vas même pleurer, tu vas pleurer. Donc, voilà, pour celles qui ont vraiment un organisme qui réagit vraiment très rapidement, une seule fois la semaine, ça suffit, ok? Maintenant, si ton organisme est du genre récalcitrant, est du genre têtu là, tu peux faire 2-3 fois la semaine, ok? Donc, voilà mes beautés, c'est tout pour la vidéo. Partagez, likez, abonnez-vous, gardez la positive attitude, le sourire et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!